Nous sommes des joueurs. Oh, allez, en fait. Oh, putain, t'as niqué le truc. Ah, il a pu perdre la mission. Bravo. Ah, non. Comment ça, c'est à zéro? Attends. Mais oui. Mais oui, parce que il fallait y aller discretos. Mais oui, mais normalement, on a 30 secondes. Mais ça faisait un moment, en fait. Enfin, je crois. Bah, je me suis pas fait repérer. Mais si, t'as vu. Oui, je me suis fait repérer, mais ça pas 30 secondes sont pas découlées. Eh bien bonsoir à tous les amis, c'est Castelix et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe et oui et en compagnie de Starfighter, salut à tous. Voilà, petit Starfighter qui est venu avec qui on avait décidé de passer la soirée et de vous faire justement une petite vidéo puisque cette vidéo elle sera publiée pour le 31 décembre et oui, ce sera une petite vidéo, la dernière vidéo de l'année et puis bah je me suis dit pourquoi pas la faire avec Star et puis bah voilà, donc on a mangé notre petit McDo. On est à la DSP, et ouais, donc on fait attention à pas trop boire, surtout le soir de réveillon, voilà, on sait tous qu'on va rentrer un peu chez nous sur une jambe, et on a aussi Xo qui est avec nous. Et oui, bonsoir. Voilà, mais lui on le voit pas. Bon, d'ailleurs je sais même pas ce qu'il dit, parce que c'est Star qui a le... il passe le bonjour, voilà. Bon, et bien écoutez, l'idée c'est de passer un petit moment avec vous, hein. Et puis vous avec nous d'ailleurs, hein, dans l'autre sens. Donc nous, on va vous changer l'angle de vue de la caméra. Et puis on va aller se faire une petite sortie ensemble. Et puis on va aller voir ce que ça vaut. Alors il a pris Equinox Star, mais moi, il a pris mon Equinox DPS. Donc il n'est pas habitué à jouer avec une Equinox DPS, donc on va voir comment ça se passe. Ça va être assez marrant, mais je vais quand même donner une manette Xbox, hein, parce que je suis quand même pas méchant. Hein. C'est quand même un joueur PS4 à la base, hein. Donc j'allais pas lui dire « tu joues au clavier », quoi. Ça va sortir dans les commentaires. C'est ça. Donc, écoutez, hein, on change, mais d'abord, je vais vous faire visiter un petit peu quand même. Donc là, hop là. Attends, ouais. Donc là, voilà. Donc là, on est un peu chez moi, Voilà, là c'est où on joue actuellement, donc je suis désolé si c'est dégueulasse, attends, on va peut-être changer aussi le retour, voilà. Donc là, voilà. Trop sérieux. Non. Là on a les... Voilà, donc là on a mon petit Excalibur, hein, puisque c'est vrai que je vous avais dit que je vous ferais voir un jour, et donc avec la petite lumière, etc. Les petites statues, le petit Excalibur en bas. Là on a quoi? On a tous les Walking Dead. Voilà, mes petites consoles en dessous là, voilà, juste là derrière. Et puis là Battlefield, ouais bon bah je savais pas où le mettre, hein, je vous l'ai dit, tout simplement. Hein. Donc bien écoutez, on va remettre l'angle de vue. Hop. On va remettre ça comme ça. Je vais m'incruster dans la vidéo quand même. Un petit peu. Voilà. Bon allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Ah moi j'ai hâte de. Vous aussi vous avez un tueur. On t'attend. Xo. Ah et c'est Xo en plus qui. J'arrive. Je termine juste quelque chose. Et voilà. Pourquoi tu m'as mis dans le fond? Ouais, regarde mon glyphe, il est dans le fond quoi. Ah mais regarde ça. Genre vas-y, je sais pas où le foutre le Castelix, vas-y je le mets là quoi. Tu veux que je le mette où? Bah tu le mets en grand sur ton pare-brise. Ok, allez, c'est parti. Enfin, sur ton pare-brise, si on peut appeler ça un pare-brise, quoi. Oui, enfin, il est gros, ouais. Celui-là, tu le changes pas chez Carglass, hein, ça, c'est sûr. Oh, ça y est, je commence à raconter des conneries, quoi. Bon, bah, Xo... Il fait mieux ici. Mais ma batterie, tu vois, regarde, je l'ai pas assez chargé, mon... C'est changer la place de ton glyphe. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, voilà. Ça, ah oui, c'est la première. Ça va, tu vas t'en sortir? Ouais. Ouais. Faut juste que je change un peu la sensible... Il est sérieux. Là, impossible de le faire rire. C'est pas possible. Voilà, trop tard. C'est qui ça déjà, ce glyphe là, je sais même plus. C'était le glyphe de 750 jours. Ouais. C'est un partenaire ça? Non. Eclipse. Ah oui, exact. Ouais. Donc, on va faire une petite sortie. Bien sympa. Okay.
Ah, oh. T'as le... Ah bah oui. Oh. Voilà, j'aime bien... Quand je découvre un peu. Oh, c'est qui est déjà à terre? Oh, ça va, tu gères hein, quand même avec ta manette. Hein. Ouais, il gère. Hein. Oh là là, il est trop sérieux. Ah oui, et puis bon, bah là, voilà, ça le spoil un peu parce que bah il avait pas vu Lotus comme ça. Donc... Ouais, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Bah moi non plus, je comprends pas. Non, mais si, je comprends, mais je peux pas te dire. Ah ouais, tu dois être sur ma vieille config là avec Lucas Helix Prime, enfin le Lecta Sicura. D'ailleurs, j'ai. Celui que je me sers pour farmer quoi. J'ai un bon mode Riven de Lecta Sicura, enfin de Lecta en tout cas. Ouais, ouais, bah je suis preneur. Moi, moi je prends tous les. Demande à Xo, hein, je prends tous les Riven. J'ai avec ah, ouais. Vitesse d'attaque, chance critique et statue. D'accord. Ouais, je joue au statue avec la Lecta. Avec un surcharge d'état justement, c'est... Mmh. Ouais. C'est des gros dégâts. Ah, trop de dégâts. Ah, il est malin. Du coup, n'hésitez pas à regarder dans le marché de Warframe. En ce moment, il y a les, une réduction de statut à 50% directement sur leur site. Non mais vas-y Donc ouais ils sont à 50%, donc il y avait avec un code Vas-y shoot le normalement avec mon Subaru ça tu me dégommes. Merde, vas-y toi. Avec un code promotionnel vous avez 50% de réduction sur le marché. Ah oui c'est vrai, ouais. Bah, les statues que vous avez vu derrière. Avant le 2 il me semble, avant le 2. Ouais. C'est bon vous... Ah oui, vous l'avez. J'étais en panique. Ouais. Oula, oula, tu vas où? Oh, c'est bon. Ah, c'est un vrai ninja. Un vrai ninja d'espace. D'accord. Qui s'est passé là? Balle perdue. Ah ouais. Bah la balle perdue est un bon shot. Donc j'ai un peu l'habitude. Si je serais sur PC. Ah j'avoue, je serais encore bloqué dans les murs. Hein. Ah bah oui. Ça va, t'as géré. Ouais. Bon, y'a pire. Hein. Y'a mieux. Y'a pire. Non, mais y'a pire, hein, largement. Mais y'a mieux. Mais y'a mieux, mais y'a pire. Hein. On se cap. Xo. Xo, genre, c'est lui qui a fait le main du jeu, quoi. Xo qui carry. 3. Je laisse la manette à Cast. Ouais, mais la main. Ah ouais, moi j'y vais à la main. Ah, non, non, oh, non. Clavier plutôt. Bon, attends. Ah, clavier. Ouais, hop, tiens. Je te passe au casque. Oui, ouais. Non, non, vas-y, bah, discute avec Zo. Ouais. J'ai pas envie de parler avec eux. Ah, il est méchant. C'est bon, je le vois. Des ressentis sur la quête. Je l'ai assez tous les jours. Sans trop spoil. Des ressentis. Personnels. Attends, parce qu'il faut qu'on. Eh, regarde, putain. On reconnaît un alcoolique et pas un alcoolique. Hein. Ouais, moi je suis rendu là et rien. Putain. Oh, faut que j'arrête, non, faut que j'arrête de boire. Bref, bon, allez, on est parti. Alors. Défection. Ah ouais, j'aime pas ça. Défection. Ouais, c'est nul. C'est trop bon. T'as pas de Trinity? Non, je joue pas à Trinity. Ah non. Non, je suis désolé. Bah, c'est une des mémoires frames préférées. Ah non, mais pourquoi j'ai pris. J'aurais dû prendre Mesa. Oh. C'est vrai que Trinity c'est un bon une bonne Warframe de support. Ah bah largement oui. Ça aussi après je suis d'accord. Ils ont la mode en puissance avec son deuxième pouvoir, son vampire d'énergie. En DPS
Bon, après, c'est pas une Warframe à jeu DPS. Hein. Non. Plus axé sur le support. La Trinity EV large et puis. Sur support, ouais. Avec son lien, son ultime. Alors, attends, déjà, moi je me mets en mode version. Voilà, tu vois, version à poil, direct. Après, je lâche mon 3. Ouais, ah, ouais, ça va vibrer par contre. Prends la manette, je pense. Parce que, ouais. Prends la manette. Ouais, parce que ça va te vibrer dans les mains en fait. Oh, puis allez, on y va direct comme ça. Là, on va collecter un peu les dégâts. Allez, c'est parti. Ah, tu vois, je suis qu'à 31k, hein, je suis pas beaucoup. Hein. Ah, puis, la Nova, la Nova, elle est parfaite. Là. Merci. Là, elle va être grave. Bon, c'est bon là, parce que. Ah oui, ça y est, ça bon, c'est en train de charger. Qu'est-ce que j'aime pas ce mode? C'est vraiment nul, ouais. C'est moi qui leur fous les procs. Hein. Les procs de tranchant. Hein. Ah, c'est bon, c'est bon. On parle de prendre justement bah, l'année prochaine. Enfin, en 2018, qui vont justement mettre du tranchant. Enfin, justement, ils ont modifié les procs. Tranchant, perso et attaque. Il donne plus de bonus, enfin bonus entre parenthèses. Par exemple, l'impact qui va dire étourdir les ennemis avec le proc. Ouais, c'est ça. Parce que tranchant, bah, ça fera toujours des dégâts, mais tranchant, toujours des dégâts sur les ennemis. Et la perfo, je sais plus ce qu'elle fait la perfo. Baisse d'armure, il me semble. Faut que je regarde. Sinon, il y a monsieur Excalibur Amra. Ouais, c'est en 2018. On l'attend toujours. On l'attend. C'est clair. Ça on va. Y croit. Et pas mal de nouvelles choses qui vont arriver. Bah, déjà la quête sacrifice aussi. Ouais. Moi, j'attends avec impatience justement toutes les nouveautés qui vont arriver. Pendant 3 ans, 4 ans, presque. Ouais. C'est clair. Et on a vu le jeu grandir, on a vu tous ensemble grandir et c'est impressionnant, c'est le graphisme, les mécanismes du jeu, les quêtes, l'évolution, l'histoire, il y a tout qui a été. Bah c'est ça. Ouais. Ça c'est ce qui fait un bon jeu, quoi. Qui écoute la communauté également et. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Ah c'est vrai qu'il y a des communautés, elle va bien écouter. Hein. Okay. Pour moi dans le jeu c'était important quoi. Pourquoi il tombe tout le temps lui là? Merde attends, je suis même pas allé chercher mes potes. Enfin, mes potes peut-être que je vais aller chercher quand même. Ah non mais il me stresse à tomber, il m'en fait. Oh oui. Putain, il y en a un qui est. Ah vite. Voilà. Allez, on y va, les garçons. Allez, on y va. Il y en a qui va crever là, je pense. Moi, dans cette mission, pour farmer Arrow, une Nova, une Trinity, voire deux Trinity. Une bonne strat, ça va super vite et. Exo là il fait quoi là? Il est où? Je sais qu'il y a des cerceaux, j'ai pas mal farmé pour le mode frappe des fléau des corrompus. Ouais fléau ouais. Normal, pas mal que. Focus aussi 2.5. Focus 2.5. Ouais, ouais, bah oui, il y a eu le focus, ouais. Qui réduit de 30% donc, les compétences. Et tous les points seront redistribués au retard de compétences. Ouais, faut pas oublier de faire les bonnes combinaisons, enfin, choisir les compétences qui sont vraiment utiles en première. Pour ma part, ça sera tout ce qui est lié à la voix.
pouvoir réutiliser toutes les compétences et, pour l'opérateur. Oui, bah oui. Plus de régène, plus de santé. Enfin, justement, je suis au Vazarin, je pense pas que la santé joue sur liée à la voix. Mais voilà, en tout cas, avoir un bon opérateur badass des arcanes. Non, c'est clair. C'est que moi j'ai mis un arcane armure, Magnus. Magnus, c'est celui qui lui demande de l'armure. J'ai mis quoi d'autre ? Ah oui, bah, j'ai mis les chances critiques pour l'amplificateur. Donc, il y a plusieurs façons de jouer. Façon contre ennemi, contre terraliste. Là justement je suis en train de recrafter mon troisième set. Ah oui. Et plusieurs compos et ils sont en train de se faire shooter. Enfin, d'essayer pour voir vraiment pas mal. Putain, puis il y a les autres de l'autre côté, personne qui les... À perdre. Hop, tac. Ah, ils viennent pas. Oh putain, tout ce qu'il y a. Ils sont tous là. Allez, les gars, motivés, hein. Allez, on y va. Ouais, c'est parti! C'est la fenêtre! Non, mais c'est clair! Boum! Allez, on va mobiliser un guide. Ouais, c'est clair! Encore une. On se motive. Ah, bah, il faut trop se motiver. Bon, pour 2018. Sur le nouvelle Warframe, il y a Korra aussi. Ouais, Korra, il y a l'autre prochaine aussi, elle a été annoncée, non? Après quoi? On va avoir mis sur forum. Je suis pas sûr. Ça a dû vite fait, mais il me semble avoir vu après Korra. Okay. Qui c'est que ça a mis? On entend des trucs chelous, c'est bon. C'est les esprits. L'esprit c'est ça, c'est les fantômes. Ça, c'est les tuches. Ça fait bobo. Bon, alors. Ouais, il reste plus qu'un. Je pense que le tout ça va toujours me déranger. Enfin, j'ai pas encore fait la quête sur PS4. J'ai pas envie de me spoil. Du coup, bah. Je sais pas pourquoi le Lotus ça va être différent. Ouais, ça le perturbe. mais non. Lotus. Je ne te dirai rien, mais. Lotus. Et Lotus, quoi. Elle est aussi douce que du papier toilette. Bref. Ouais, mais je chante ma connerie. Papier de plus. Voilà. Mais bah attends, c'est quand même bon tonnerre. Elle aussi petit gâteau de plus. Ah ouais. Avec le café, l'électricité. Alors reconnais le mec qui travaille en brasserie, hein, bon resto. Tout de suite ça se voit. Bon, allez. Ah, donne-moi ça. C'était de la merde en plus qu'on m'a donné. Et tu vois, je perds pas tant de ça d'énergie. Hein. Sauf quand il y a les siphons qui sont là. Mais... Ouais, les vampires. T'as le temps d'emmagasiner sévère. Hein, voilà. Bon, allez, les gars, c'est la dernière. Allez, c'est la dernière escouade là. Je vous ramène chez vous. Et comme ça, on se casse. Enfin. Et oui,
Et puis n'oubliez pas que Star, c'est quand même... bon, après, je sais qu'il aime pas trop le dire, mais ça peut toujours aider aussi pour vous si vous jouez sur d'autres supports. Autant moi, je suis un partenaire, mais du coup, j'ai moins de pouvoir sur ce que lui peut faire vis-à-vis de la gérance en fait du jeu, vis-à-vis aussi de la gérance des gamers, des joueurs. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais, Star, c'est quand même modérateur sur la plateforme PS4. Et du coup, voilà. Donc, il gère aussi en partie vos soucis, donc n'hésitez pas aussi sur PS4 si vous avez des choses à revendiquer pour une injustice ou autre chose, hein, pas forcément une injustice. Oula, j'ai une après, chute de FPS là. Le support Warframe. Vas-y, moi je bois toujours. Oh bah oui. Donc du coup, faut savoir que bah, c'est modérateur PS4, c'est un uniquement modérateur des canaux. Donc c'est pas modérateur du jeu, c'est modérateur des chats, si vous voulez. Faut savoir qu'il y a deux parties, il y a les guides du Lotus et les modérateurs. Donc les guides du Lotus justement vont plus aider la communauté, répondre aux questions, aider en jeu. Et organiser aussi des événements communautaires afin de faire gagner des codes Platinum pour vous, tout simplement. Et voilà. Donc du coup moi je suis modérateur donc des canaux. Donc je gère uniquement des canaux. Ah, et renvoie une invite, Xo. Donc uniquement des canaux, donc c'est pareil, hein, faut respecter, il y a les termes, il y a les chartes. Les chartes. Il y a les termes de service, il y a les end user license agreement. Donc en français, je sais pas, c'est CGU, contrat. Ouais, toutes les conditions générales d'utilisation. C'est vraiment important. Après, on peut aussi faire des sanctions, des petites sanctions in-game pour un mauvais comportement. Et ensuite, si vous avez des captures d'écran ou une preuve, ou vous envoyez ça tout ça sur support.warframe.com, justement, eux pourront gérer votre problème. Et voilà, faut pas faire trop d'abus non plus, faut envoyer vraiment des screenshots, c'est vraiment super important pour attester justement le fait. Et voilà. Oh, j'ai baissé la lumière. Non, bref. Wow. Les meilleurs fûts. Mais ouais, et quand il parle de punition, faites attention. Enfin, punition. Parce que, sanction. Ouais, moi, je veux qu'il me fouette. Non, je rigole. Nova. Non, mais ouais, il y a Nova qui est là. Non, mais Xo, ça le choque même plus. Ah ouais, non, pas du tout. Hein. Parler en game, pas de soucis, je suis ouvert à tous et j'aime bien parler, discuter, y a pas de soucis. Avant tout, je suis un joueur. Faut bien le comprendre. Je suis pas là pour. Je suis pas un policier. Je suis pas là pour faire la police. C'est pas du tout ce que je fais. Je suis là pour parler, pour plus aider. Ouais, voilà. En ce moment, on aide, modérateur aide, parce qu'on n'a pas de guide guide francophone. Enfin, on a pu. Hein. Donc, j'ai été guide francophone, mais j'ai voulu faire un break parce que ça devenait trop de bazar, on va dire. Et peut-être un jour je vais recontinuer. Attention. Hein. Et peut-être un jour je vais recontinuer à peut-être devenir guide du Lotus pour organiser des événements sur Warframe. Je compte bien. Mais t'avais organisé un truc en plus. Ouais, mais j'avais arrêté guide du Lotus parce que c'était trop de bazar et je me suis remis en modérateur. Faut savoir qu'on est là pour aider et qu'on n'est pas là. Ouais, si tout le monde comprend ça, aucun souci sur ça. Donc pour info, les modérateurs sont en violet. Oh, on a une écriture violette. Voilà. Les guides, ils ont un glyphe du Lotus sur le torse et des épaulettes Lotus. Ouais. Mais généralement posé sur les relais. Soit sur les relais, que ça soit Terre ou que ça soit Cetus. Ouais, je suis en train de faire. Ouais. Mais nous, en tant que partenaire, on n'a rien de spécial hein, au final qui nous définit différent des autres joueurs. Sauf sur notre profil où là on a notre badge partenaire. Quoi. Ah oui, bah nous c'est pareil, on n'a rien. On n'a pas ouais, mais on a. Tu vois, ça aurait été bien d'avoir. Tu pouvais le mettre dessus, là, comme ça, sur le ventre. Ouais.
faut savoir qu'on n'a pas de. Alors, on n'a pas d'EPL illimité, comme on n'a pas de cheat code. On a non, pas... ça, non. C'est... Ouais, ça c'est faux. Ça, ce qu'on entend, ouais, je sais, apparemment on m'a dit qu'un modérateur. Non, c'est faux, on n'a rien de plus. On n'a rien de plus qu'un joueur en lambda, parce que nous sommes des joueurs. Oh, allez. Putain, t'as niqué le truc. Ah, il a pu perdre la mission. Ah non. Comment ça, c'est à zéro? Attends. Mais oui, parce que il fallait y aller discretos. Mais oui, mais normalement, on a 30 secondes. Mais ça faisait un moment, en fait. Enfin, je crois. Enfin, je me suis pas fait repérer. Mais si, t'as vu. Oui, je me suis fait repérer, mais ça pas 30 secondes sont pas des coups. Bon, c'est... Je prends de Loki. Voilà, oui. Vas-y, prends mon Loki. Ouais, je prends Loki. Waouh, magnifique. Ah, Loki. Ouais, prends celui-là, regarde comme il est beau, Loki. Ouais, il est beau gosse, celui-là. La première défaite. Non, mais en même temps, ils discutent et tout, c'est normal, c'est difficile de se concentrer. Déjà, ils se prenaient tous les murs, tu regarderas le gameplay, tu verras. Excellent. Non, regarde pas, c'est du spoil. Pour toi. Parce que là, tu vois, on est à 46%. Ça monte pas vite, par contre. Allez, c'est parti. Non, là, il va plus parler. Là, vous allez voir, il va être sérieux. Oh. Après, ouais, bah faites-le moi savoir si vous êtes motivé à avoir des événements communautaires sur PS4. Moi, je suis prêt, il n'y a pas de souci. Voilà. Si je peux faire gagner des codes Platinum. Au pire, mets-toi dans un coin, tu le laisses. L'autre, il dit qu'il va A. Donc, Bah, tu vas C. Xo. Ouais, je vais C. Tu vas B. Si t'arrives pas, tu me dis. Mets-toi en fufu. Ouais. Ouais. Bon, par contre, j'ai perdu en seconde, il va falloir que je rajoute un peu plus. Ah oui? Ouais, je suis à 25 secondes. 25. Heureusement que je t'ai dit tu vas assez, Xo, mais. Ah, non, pas l'excuse. Voilà. On aime bien faire des roulades. Youpi! Youpi! Il faut que je fasse attention. Non, là, ça va encore. Ah oui, non, non. Ah putain. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends au pire de recharger. Oh, t'inquiète, je vais te faire cramer. Non, j'ai une petite méthode pour Speedy. Ouais. Regarde. Hop. Attends. Oh là là, tu vas te faire cramer. Oh. T'as eu une de ces chances. Oui, non. Ah. Oh, là, voilà, merci Fufu. Hein. Ah. Oh là là là. Eh, je te jure, j'ai serré les fesses et je transpirais. Hein. Oh putain, comment il m'a fait peur. Oh, regarde-le. Ah, il est chaud là. Avec like. Ah, il s'est vengé de tout à l'heure. Aïe. Et c'est qui le chef? C'est qui le patron? Bon, Xo, par contre, il est à la traîne. Je veux pas dire, mais tu vas voir, Xo, il va nous fail le truc. Si laisse faire le pro. Ah, t'as plus de. Mais là, il veut me piquer mon point. C'est pas normal. Quand on prend trop de temps. Non, on passe pas encore dans les murs. Non. Fais gaffe, tu vas pas jouer. Ah, oui, là. Ah. J'ai plus trop d'énergie. Et puis j'ai plus de capsule. Là. Parce que d'habitude j'aime bien avoir masse capsule. Puis là. Ah, non. Oh non, il est sérieux. Allez, vas-y, Xo. Hein. Regarde-le. Il fait exprès. Il va l'avoir. Il est en bas. Il est déjà dedans. Voilà. Ah, j'ai peur. Il fait exprès. Il s'agit de tout. Bon, bah voilà. Au moins. N'empêche que ce fail était magnifique. Je suis un moi, pro. J'étais sûr que c'est moi. Ah ouais. En 10 secondes, j'étais en 10 secondes, mission échouée. Je trouve ça bizarre. Normalement, il y a 30 secondes, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on gagne? Bon, un truc bien. Oh putain. Une Ayatan Anasa sculpture. Ah putain, alors là, merci les gars d'avoir fait tout ça. Oh, c'est pas mal, on crache pas sur l'Endo. Bah non, mais moi j'ai. Non, je vais encore. En déco? Oui. Oh. Garde en déco. Bon, je peux pas toutes les mettre encore.
va faire un déco une semaine pour tout changer. Ah ouais, là on est trouvé, Valérie D'Amido sort de ce corps. Et regarde, tu vois, j'ai la Noru. Hein, en Sandana. Ah oui. La deuxième Prime. La deuxième Sandana Prime. Elle est trop belle, celle-là aussi. Ouais, magnifique. Moi, je l'adore. C'est vrai que la Misa, elle est terrible, mais la Noru, moi, je la trouve vraiment classe. Ah, la Misa Prime, c'est la plus belle. Mais oui. Je la veux. Et encore, j'en ai enlevé plein. Voilà, toutes les sculptures. Parce que tu verrais maintenant où elles sont, mes autres sculptures. Tu l'as, le Stalker de l'Ombre? Oui, mais pas ici. Ah, je l'ai dans l'autre salle. Et dans l'autre salle, tu peux pas... Non. Bah oui. Oui, là, j'ai foutu une petite montgolfière ici. Voilà, le fameux lit. C'est le lit de la chambre rouge dans les 50 nuances de Grey. Il s'est passé des choses bizarres. Xo a pu connaître aussi. C'est vrai. Voilà, il peut attester. C'est ça. Oyez, oyez, je suis Darvo. Pas cher. Pas attends, cher. Attends, regarde au-dessus, t'as un lustre. Là, j'ai mis un lustre en haut. Regarde. Oh. J'ai foutu les trucs de morphique, là. Bah, il faut avoir de la créativité, hein. Allez. Il y a mon petit curia, là, qui est là. 45 pédales de rôde. Oye, oye. Pire que l'escroc. Ah non, mais c'est ça. Oh. Ouais, et encore, je crois que j'ai pas mis les 6. Ah si, j'ai mis les 6. Comment t'as fait pour mettre les 6? Ouais, t'avais... Bah, j'ai tout farmé. J'ai fait chaque syndicat, je les ai fermés à chaque fois. T'as recommencé. Ouais. Ah bah, il me fallait tous les modes, il me fallait tous les... Bah après, tous les modes, ouais, si tu fais des échanges... Ah non, mais même sans ça, c'est la collecte. Ah oui. Ah ouais, ouais, je suis... C'est la collecte, quoi. Juste pour ça. Et je scanne tout, hein, c'est pareil. Hein. Ah, la petite esquive, beau gosse. Quoi. Voilà, eh, franchement, de aussi près, on croyait que c'était la vraie, quoi. Par contre, Loki qui lui rentre les cornes. Oh, le coquin. Bon, eh bien, les amis, voilà. Donc, parce que bon, il est en train de visiter. Et sur ces belles images et sur ces belles paroles, bah, on vous souhaite... tous un très bon réveillon. Un très bon réveillon et une bonne année. Voilà, bonne année à vous, surtout la santé, plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Une bonne résolution. Et Xo, c'est pareil, hein, amuse-toi bien, petit coquin. Ah oui, merci, merci. Et vous puis, aussi. Et puis bah voilà, et puis bah de toute façon, on fera d'autres vidéos, il reviendra à la maison, on va se refaire d'autres choses. Là, c'était vraiment la première et ça fait vraiment super plaisir. Moi, je suis très content de l'avoir eu à la maison et voilà quoi. Voilà, voilà. C'est sympa. C'est à tous, une très bonne année. Très bonne fin d'année. Et voilà. Et voilà. Allez, on vous dit ciao, à bientôt. Et comme on dit chez moi, may we meet again. Ciao. Salut. Bisous.